Salut, c'est Nawal Madani. Retrouvez-moi dès le 2 octobre au Feu de la Rampe pour mon spectacle C'est moi la plus belge. Bienvenue sur Queasy. Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une autre interview Queasy. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec une jeune humoriste, Nawal Madani. Avec son franc-parler et ses vannes incisives, la plus belge des humoristes a déjà conquis le public français lors de ses passages remarqués au Jamel Comedy Club. Elle remonte sur scène le 2 octobre prochain à Paris pour son premier One Woman Show, C'est moi la plus belge. Et j'ai profité de cette occasion pour faire un petit quiz en 60 secondes top chrono. Allez, c'est parti! Bonjour Nawal, je suis ravie de t'avoir Bonjour. Aujourd'hui sur Queasy. Tu es une femme aux multiples facettes, productrice, comédienne, humoriste, danseuse. Et arabe, c'est compatible. Et belge. Exactement. Alors, tu t'apprêtes à monter sur scène le 2 octobre prochain pour ton nouveau spectacle, C'est moi la belge. La plus belge. La plus belge. Que tu as écrit et mise en scène. Oui. Alors, dis-moi pourquoi avoir choisi l'humour, d'être humoriste. Pourquoi Pourquoi avoir pris cette voie? Parce que je pense que c'est elle qui te choisit, tu vois. Je pense qu'on est, bout en train, tu vois. J'ai toujours été la comique de la maison. Et puis c'est en suivant un cours d'acting. Dans ma formation de danseuse, on avait cette discipline. J'allais toujours vers le comique, peu importe la scène que je devais jouer, qu'elle soit dramatique ou pas, je la tournais toujours vers le comique et donc on m'a poussée à monter sur scène. D'accord, donc c'est un truc déjà de nature à être rigolote. D'habitude, pas aujourd'hui, mais oui. Et justement, les artistes, ils disent quand ils montent sur scène, c'est comme s'ils montaient sur un ring. C'est un combat en fait, chaque prestation est un combat. Exactement. Est-ce que c'est vrai? Tu te sens ça? Oui, c'est faut envoyer de la punch. Ouais. Donc, c'est un peu comme si tu mettais des uppercuts à chaque fois et il faut les mettre KO, c'est à peu près le même. Faut se préparer physiquement, psychologiquement. Tu montes pour gagner. D'accord. C'est pareil, là tu montes pour gagner le public. C'est le même challenge. Et quels sont les sujets que tu abordes dans ton spectacle justement? C'est autobiographique. Donc ça parle de ma vie. D'accord. Tout en faisant en sorte que les gens se reconnaissent. D'accord. Ma vie de femme, mon arrivée de Bruxelles, de Bruxelles à Paris. Les galères que j'ai pu avoir ici, mes premières auditions en tant que danseuse et puis la passation de danseuse à comédienne mon arrivée dans la troupe du Jamel Comedy Club, puis tout ça. Alors Nawal, tu connais notre jeu Queasy le Sprint Minute? Non, mais je t'ai vue avec un chrono, je me suis dit elle n'est pas sprinteuse, c'est sûr. Non. D'accord. Alors tu as 60 secondes top chrono pour répondre à un maximum de questions. D'accord. Voilà, donc il n'y a rien de bien compliqué, les questions sont simples, mais voilà, t'as 60 secondes, top chrono. Ok. Pour répondre à un maximum. Mortel. Alors, est-ce que t'es prête? Oui. Sûre? C'est la question, première question, ça va? Non, c'est bon. Le chrono n'est pas encore lancé. Vas-y. Alors, c'est parti, top chrono. Alors, Nawal, si tu étais un dessert, tu serais? Un tiramisu framboise. Une destination? La Thaïlande. Un film qui t'énerve? Un film, tu passes. La blague courte que tu connais? La blague courte que je connais. Ouais. C'est quoi tes questions là qu'il faut aller chercher dans ta tête? Ta sonnerie de portable. Tu passes. Ma sonnerie de portable. Ouais. C'est la sonnerie la plus énervante. Ok. Ton insulte préférée? Va niquer ta mère. Le meilleur humoriste français. Attends. Hey. Ton truc là, 60 secondes, c'est une arnaque. Le meilleur humoriste français? Julie Ferrier. Ok, le moins drôle? Le moins drôle, il y en a tellement. La première chose que tu fais en te levant le matin? Non, coupe ça. La première chose que tu fais en te levant le matin? J'insulte quelqu'un. Alors, bah justement, une star qui a pris la grosse tête? Oh, dis-moi celles qui ne l'ont pas pris. Une grimace bien débile. Une chanson qui te passe par la tête, là? Outé, papa, outé. Top chrono. Ah, elle est terrible, cette chanson. Non, mais tu m'as arnaqué sur deux trucs. Ah non, pas du tout. Le principe, fallait aller vite. Il y a beaucoup d'humoristes qui sont drôles. Maintenant, j'essaie de te rattraper. Non, c'est vrai. Je sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Peut-être c'est mon subconscient qui pense ça. C'est chaud quand même. Non, il y a beaucoup d'humoristes qui sont drôles. Non, je tiens à rectifier. Elle tient à rectifier. Voilà, il y a beaucoup d'humoristes qui sont drôles.
Oui. Merci à toi de te prêter comme ça au jeu. D'ailleurs, toi, tu es drôle. Tu pourrais être humoriste. Ouais, j'ai un petit côté ouais, au fin fond de moi. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite dans Cuisine. Au revoir. Au revoir. Mais non, ton truc de 60 secondes, c'est une arnaque. Hein, c'est le principe. Bah ouais, c'est...